Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous avez la patate et aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'un tout nouvel épisode des top 5 kills de la semaine. J'espère vraiment qu'il va vous plaire car il y a des clips assez intéressants cette fois-ci et je vous invite comme à chaque fois à checker la description afin de pouvoir m'envoyer tous vos kills ou morts à l'adresse mail qui s'y trouvera et je vous invite vraiment à être motivé sur l'envoi des clips que ce soit sur GTA V ou même d'autres jeux car j'avais une question à vous poser. Est-ce que ça vous tenterait que je modifie le top 5 kills en top 10 kills mais le top 10 kills serait tout jeu confondu, GTA V, Call of Duty ou même d'autres jeux. Comme ça, ça permettrait aux gens qui ne jouent plus trop à GTA V ou qui n'arrivent pas à enregistrer au bon moment des kills, bah de m'envoyer des kills quand même s'ils en font sur Call of Duty Black Ops 2 ou Black Ops 3 pardon ou même d'autres jeux. Comme ça au moins ça pourrait être vraiment plus intéressant et au moins ce serait un top 10 kills. Donc j'attends bien évidemment tous vos retours dans l'espace commentaire. Alors aujourd'hui il y a des clips, peut-être que vous allez trouver ça pas très intéressant, mais j'ai fait avec les derniers qu'il me restait. Et donc si jamais vous ne m'envoyez plus de clips, et ben ce sera bel et bien le dernier épisode. On va commencer tout de suite à la 5ème position. J'espère que vous avez prévu le popcorn, le coca, parce que c'est parti. Alors ce clip est vraiment bizarre. Alors une personne vient tout juste d'apparaître sur la partie. On peut apercevoir qu'il tient un lance-roquette dans la main, qu'il possède 5 munitions. Il fait un petit peu le tour histoire de pouvoir trouver un ou deux ennemis car il les voit en bas sur la carte. Et quand soudain vous allez voir qu'il ne va tirer aucune balle et pourtant il va quand même réussir à tuer les deux personnes qui étaient en bas. On peut dire que ce clip est vraiment what the fuck. Enfin je sais pas trop ce qui s'est passé. Sur le online, rien ne peut échapper au lance-roquettes téléguidé comme vous allez le voir sur le clip. C'était quand même assez improbable de voir la roquette suivre la voiture jusqu'à l'intersection et même jusqu'au virage. Après vous allez me dire que c'est un missile téléguidé, donc comme la personne était verrouillée, forcément le missile l'a suivi. Mais on pourrait quand même penser qu'il aurait pu trouver un obstacle sur son chemin car on sait tous que les missiles téléguidés ne touchent pas leur cible à 100%. En tout cas c'était un très très beau kill. Quand un sniper a décidé de tuer quelqu'un à l'aide d'une balle, et bah sachez qu'il réussit toujours son coup, quoi qu'il arrive, même si ça lui prend un tout petit peu de temps. Viser avec le sniper ne sert pas forcément à quelque chose puisqu'il a raté quand même 3 balles en visant. Il a fait une petite roulade arrière, il a fait un petit flash cop et la balle est rentrée net précis dans le crâne de l'adversaire. C'était un très beau kill. Quand vous ne pouvez rien faire avec votre lance-roquette, et bah sortez votre sniper. Même si la personne est loin, tentez quand même votre chance. Même si elle saute en parachute, tentez quelques balles. Et peut-être que ça finira par rentrer au bout d'un moment, c'est ce qui s'est passé. C'était vraiment joli ce qu'il a fait, il a fait une petite remontée avec le viseur de son sniper et elle a quand même réussi à toucher la personne qui était vachement loin et qui était en parachute, donc le parachute bouge constamment. En tout cas c'était un très beau kill. Et pour finir, on se retrouve en Stunter vs lance-roquette. Donc les personnes ont des massacros, les personnes ont des lance-roquettes. Mais lui, il ne va pas se laisser abattre par les lance-roquettes. Il va sortir sa bombe collante, il va faire un petit saut, il va leur faire un petit coucou. Et là, il va poser sa bombe collante pour tuer les
4 personnes afin de pouvoir terminer la partie directement. C'était un magnifique kill, on pourrait même dire que c'est une kill cam finale de malade. En plus la partie venait tout juste de commencer, il a juste fait un petit slalom entre les roquettes, il a pris le saut, il a sorti sa bombe collante, il a dit merci d'être passé, allez à la prochaine. En tout cas merci à tous d'avoir suivi ce petit top 5 kill, j'espère vraiment qu'il vous aura fait plaisir. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer tous vos kills à l'adresse mail qui sera dans la description et à répondre à ma question que je vous ai posée en début de vidéo. Si vous voulez qu'on fasse un petit peu un top 5 ou un top 10 kill multigaming, n'hésitez vraiment pas à répondre à cette petite question. En tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie, je vous n'oublie pas de lâcher un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez ciao, bye bye tout le monde.